Bonjour, bonsoir à tous. Et on est de retour sur la chaîne, comme vous le voyez, avec un nouveau petit jeu où on est apparemment embauché. Les habitants d'un immeuble sont en voyage de vacances pour que leur chien ne se croit pas sain et sans surveillance. Vous êtes embauché pour les surveiller. Votre travail principal est de les caresser, c'est tous et de vous assurer qu'aucun ne manque. Certains chats sont capricieux dans ce cachet. Cherchez-les aussi. Ne manquez aucun chat. Oui, en clair, on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau let's play. Un petit jeu qui s'appelle Building Full of Cats. Un petit jeu, il n'y a pas besoin de changer la langue parce que c'est un jeu où on va chercher des chats. Oui, alors je fais plus, certains, oui, je fais plus partie de la team chien que de la team chat, mais quand même, on va pas négliger les chats pour autant et tout ça, c'est quand même mieux. On va prendre les options parce que je vais diminuer un peu la musique. Tiens. Voilà. Ah, si, c'est en français. Ouais. Vous savez, ma musique est un peu gênante parfois. C'est pas facile de parler comme ça. Et le menu, c'est un ascenseur, celui-là. Bon. Alors, messieurs, dames. Je sais pas ce que ça, on verra après. Là, vous posez la question. Ça fait un moment, disons, Carpenter, que t'as pas fait de vidéo. Bah ouais, parce que ces dernières semaines, j'ai pas été en pleine forme. Besoin de me reposer, j'avais quelques petites rencontres familiales, et en plus, je suis un peu tombé malade. J'ai attrapé une toux, je pouvais pas enregistrer dans cet état. Donc sur ce, je suis vraiment désolé, je vais essayer de me rattraper. Et on va commencer avec un petit jeu où on va chercher des chiens. Ah non, zéro, c'est vraiment l'étage. C'est vraiment le... Ok. Grandma touch me to love cats. Donc... Eh ben, c'est parti. C'est un petit jeu où on doit trouver un bon paquet de chats. Et les chats, bah... Chercher midi à 14h. Bon, je peux pas aller en haut en bas. Mais je peux aller à droite et à gauche. Il n'y a plus qu'à trouver des chats. Oh là, on a, c'est presque facile. C'est vraiment gratuit, hein. En même temps, des jeux de chercher des objets, j'en fais assez souvent, donc ça, c'est un truc auquel je suis habitué. Par contre, il y a une... Ah bah, déjà, il y a un petit chat surprise, là. C'est qu'il y a des chats, bah, ils sont pas indiqués dans le compteur. À peu près tous. La porte, on peut l'ouvrir? Oui. Alors. Cats. Un jeu qui est vraiment fait pour ceux qui aiment les chats. Mais même ceux qui les aiment pas, faites-le, c'est que ça a l'air. C'est déjà marrant, ce petit jeu. Hein. Ah, faut avoir l'œil, hein. Est-ce que j'ai raté? Il va y avoir d'autres quelque part, hein. Ah! Celui-là est un peu différent. J'ai remarqué, il fait pas le même bruit. Chaque chat a son miaulement, je sais, mais là... Hey! Elle est minou, vous êtes où? Vous êtes où? Oh, sérieusement, vous êtes où? Oh! Ah! Ça, c'est pas les mêmes. Vous voyez, chiffre 8, là, et là, un chiffre 3. C'est parce qu'il y en a qui sont vraiment planqués. D'accord. Ah, bah alors, dans notre salle. Ah! Bien, succès. Grandma, Fine, Fofino. Et savoir.
Oh! Tiens donc. Ah! Il y en avait un là. Ah, il y a une petite boîte qui a atterri en ce qu'on a trouvé Fofino apparemment. Donc, dans chaque étage, il y a normalement des petits chats secrets à trouver, des chats normaux qui sont visibles et un Fofino. C'est intéressant. Ouh! De ce côté. Comme... Ah mais il y en a un là. Et comment il a fait pour entrer là-dedans? Il reste encore un chat et quatre chats cachés. Ah! Un chat visible normalement quelque part. Vous l'avez trouvé sans doute. J'imagine que la loupe c'est pour nous donner un indice. On va essayer de faire sans la loupe. Sauf si à un moment je galère que ça dure trop. Si ça dure 5 heures. Au-delà de 5 heures par contre je mettrai la loupe. Hein. Tiens, bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais on va essayer. Mais ça risque d'être un peu court vu la vitesse à laquelle on va. Enfin, je dis ça, mais en même temps. Pour trouver le dernier. Ah! Les fenêtres aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois qu'il était à l'intérieur. Pour trouver les chavers, faut d'abord trouver une clé à leur cachette et ensuite cliquer dessus. Faut les faire sortir de leur cachette. Bâtiment rempli de chats. Ça aurait été quoi avec des araignées? Bon, après chacun a l'animal de compagnie qu'il veut, hein. Oh, il était là le dernier. Il donne 4 ce premier feu. Il faut trouver tous les chats du premier, cachés du premier étage. Par contre, il y en a un qui est visible. Quelque part. Ah bah il est là. Premier étage terminé. Ça a été rapide. Ah bah ils sont tous là. Ah bah on les a trouvés, hein. 50 chats plus, c'était, si je crois, c'était 20. 20 chats cachés et Fofino, ça en fait 71. 71. Et ça, c'est quoi? Qu'on y est là, je découvre en même temps. Ah, d'accord, c'est les crédits. En fait, même c'est le parking, vu la tronche que ça a. Eh ben, c'est intéressant, hein. C'est un petit jeu de cherche-objet, comme ça, c'est pas désagréable. C'est une vidéo courte, mais franchement, j'aime bien. Tellement de grand-mère. Eh ben, du coup, monsieur, dame, on va se quitter là pour aujourd'hui. Désolé que c'est cool, mais on va faire qu'un étage, sinon ça gâche un peu trop le plaisir. Du coup, portez-vous bien, aimez les chats si vous voulez, mais moi, même si je préfère les chiens. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, moi, pour ne surtout pas rater la suite. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Laissez quelques commentaires aussi, et la photo de chat ne sont pas des commentaires. Sur ce, au revoir, à la prochaine, pour le prochain étage.